Ok. 42 secondes encore. J'ouvre une faute. Allô, allô, la gang! Comment allez-vous en ce dimanche matin? Il est présentement 11h04. Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio alternative de Lévis. Avec les gars de la sauce ce matin, là, il était craqué bien raide, hein? Je pense que la tempête de neige est pour quelque chose. Tempête de neige mélangée avec un changement d'heure, ça va être tout un beau cocktail, ça. Mais ceci étant dit, il y en a peut-être qui ne s'en sont pas rendus compte que c'était le changement d'heure. Et je veux simplement vous rappeler, pour ceux qui sont en Europe ou qui travaillent avec des gens d'Europe comme moi, on n'a plus 6 heures de décalage avec eux présentement, là. On a 5 heures de décalage avec eux. L'Europe va changer d'heure le 27 mars. Ensuite de ça, ils vont rechanger d'heure le 30 octobre et nous, on va changer d'heure le 5 novembre. Donc, ça, deux fois par année, il faut faire attention à ça. Ouais, on prend notre support de décalage avec l'Europe. Ça, faut toujours y penser, surtout quand on travaille avec des gens internationaux, qu'on prend des rendez-vous. Là. Si vous n'y aviez pas pensé, ça se pourrait que vous ayez des écrits cette semaine. Ben oui, ben oui. Ça fait mis à part, je ne sais pas combien de mains j'ai vu tomber sur la tête, honnêtement. La dernière journée de l'hiver vient de le printemps.
Écoute, actuellement, je suis à Laval parce que je demeure à Laval, mais nos bureaux sont situés à Montréal. D'accord. Et comment est la température à Montréal? Comment vous avez vécu les dernières 48 heures? Écoute, je vais être très honnête, je suis pas encore sortie là, mais ça a l'air que il fait très beau ici, il y a un beau soleil, puis il fait beaucoup moins froid que les dernières semaines. Donc c'est un petit peu la même tendance que par chez vous. Ok, donc vous avez eu beaucoup d'avalanches de neige. On peut dire ça comme ça, d'abondance de neige, pas d'avalanche, mais d'abondance de neige. Non, un petit peu moins que vous quand même. Je pense une dizaine de centimètres, c'était très raisonnable. Oh, c'est parfait. Donc, vous aussi, habituellement, vous connaissez le printemps avant nous autres, hein, dans le coin de l'île, c'est bien parfait. Mallory, tu es la DG du recrutement des cocottes coulantes du Québec. Merci Oui. d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que le recrutement des cocottes coulantes? Écoute, le regroupement des popotes roulantes du Québec, c'est le rassemblement des organisations qu'on appelle les popotes roulantes, qui sont des organisations qui sont tout à fait qui sont diverses. Il n'y a pas juste une popote, un modèle de popote, je te dirais. Mais ça, je pourrais t'en parler plus tard. Mais le regroupement des popotes roulantes est là pour ses membres, pour donner de la visibilité aux popotes,
pour les outiller, les aider dans leur quotidien, je te dirais, puis également porter haut leurs revendications. Mais qu'est-ce que ça revendique, les popotes Ah. Écoute, les popotes roulantes, est-ce que d'abord je t'explique ou j'explique à tout le monde ce qu'est une popote pour bien comprendre pourquoi nous avons des revendications aujourd'hui? dans l'ordre ou dans le désordre, ça me convient. Alors on y va. Écoute, une popote roulante, c'est un service de maintien à domicile, essentiellement pour les personnes aînées, à plus de 90%. Et c'est un service de soutien en sécurité alimentaire. Donc les popotes vont livrer des repas chez les aînés. Ça peut être essentiellement des repas chauds, je te dirais. C'est la très très grande majorité des services de popotes roulantes qui sont un service de repas chauds livrés à domicile à l'heure du dîner par un service bénévole. Mais certaines popotes vont aussi offrir des repas congelés, des repas froids. Il y a différents modèles là-dedans. Il y a plus de 300 popotes au Québec. Le regroupement compte à peu près 130 membres aujourd'hui. Et c'est vraiment dans toutes les régions, hein, dans toutes les régions du Québec, tu trouves une popote roulante. Et pourquoi il faut que j'explique ça pour pouvoir comprendre les revendications, c'est qu'on vient de traverser 2 années de pandémie qui sont pas terminées encore, et les popotes ont été au front pendant 2 ans. Alors, elles ont continué malgré la pénurie de bénévoles, puisque le 13 mars 2020, Monsieur Legault a renvoyé tous les bénévoles de 70 ans et plus à la maison, et les popotes roulantes qui fonctionnent essentiellement avec des bénévoles se sont retrouvés sans leurs équipes de livreurs. Écoute, les popotes, malgré le manque de bénévoles, malgré l'augmentation extraordinaire de la demande, parce qu'en plus du vieillissement de la population, la pandémie a généré une énorme demande, donc plus de 30% en moyenne dans les popotes, et certaines ont presque doublé leur production alimentaire. Et malgré le sous-financement chronique des popotes roulantes, qui sont des organisations qu'on oublie souvent dans les budgets, donc les popotes sont toujours là. Les popotes sont toujours là. Alors, les revendications, c'est un peu ça, Manon. Aujourd'hui, les popotes roulantes sont en surchauffe. Hein, on va le dire comme ça, elles vivent des difficultés importantes, et ça ne paraît pas parce que la plupart des popotes n'ont toujours pas de liste d'attente. Vous êtes une personne aînée, vous appelez et vous serez servi. Et en général, c'est dans les 24 heures. Alors, c'est ça, et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux équipes absolument engagées des popotes, qui sont à la fois des employés et salariés, mais aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles. Donc les popotes revendiquent aujourd'hui, on va dire, une meilleure reconnaissance, hein, après s'être battue pendant 2 ans, mais aussi depuis les 70 dernières années, et un peu plus de financement, évidemment, en tant qu'organisme communautaire, pour pouvoir continuer à servir les aînés en leur livrant des repas, des prix modiques. Aux principaux bailleurs de fonds pour les réceptions des copains de tout. Les principaux bailleurs de fonds, le principal, je te dirais, le principal bailleur de fonds, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui finance la grande majorité des services de popote roulante, parce que nous sommes quand même reconnus comme un service en santé, services sociaux, fait partie du réseau. Il y a quand même quelques popotes qui n'ont pas de financement. Il y a des popotes qui sont exclusivement bénévoles et qui fonctionnent seulement sur la solidarité et l'entraide. Donc, c'est des gros enjeux, c'est des gros défis. Je rappellerai toujours le grand-père qui avait fait un vrai nombre de popotes roulantes. Ah oui? Je vous entends vraiment très très mal, je m'excuse. Audrey Anne dit que son grand-père faisait ça, la livraison des popotes roulantes. Ah, Il avait oui. fait toujours de l'avoir vu là, promener avec des cabarets, puis promener de maison, puis à la société, Okay. Il y a plusieurs endroits où on peut avoir le service de papa roulant, hein, mon chéri? Ben, Ma question, écoute, les popotes roulantes sont partout.
Hein, c'est ça la beauté de la chose, c'est que partout où tu te trouves, tu devrais pouvoir trouver un service de popote roulante. Il existe, on essaye de desservir absolument tout le territoire au Québec, là. Toutes les régions sont desservies. Pour savoir quelle est la popote de ton secteur, parce qu'elles ont des territoires et puis elles y tiennent, tu peux te rendre sur le site du regroupement des popotes, qui est popote au pluriel.org. Là, tu vas dans trouver une popote et tu rentres ton adresse, tu vas trouver ta popote. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les popotes roulantes, on en parle quand même assez peu, mais elles sont partout et elles sont là depuis vraiment très longtemps. Pour être bénéficiaire, oui, l'âge que vous avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que ça prend une condition physique? Est-ce que ça prend un portefeuille? Comment ça Oui. fonctionne? Ça prend un membership? Comment ça fonctionne? Oui, ben c'est un peu tout ça là. T'as effectivement déjà les réponses. Alors, pour être bénéficiaire de la popote roulante, il est d'abord important d'en avoir besoin parce que comme c'est un service qui est extrêmement sollicité, les popotes vont livrer la popote aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc, il faut d'abord être une personne aînée, mais pas seulement. Tu peux aussi, par exemple, être un proche aidant. Ou tu peux être une personne en rétablissement après une opération. Il existe aussi des situations où des mamans en postpartum vont demander la popote roulante pour les soutenir dans cette période difficile. Donc voilà, donc c'est le besoin qui va déterminer. La plupart des popotes roulantes travaillent avec leur CLSC. Donc leur CIS ou leur CIUS, et vont demander une référence. Mais je te dirais que en général, on refuse pas un service. Si la personne en a besoin, on lui livre. Préférable de faire des dons au regroupement des popotes roulantes ou à chacune des petites popotes roulantes? Ah, les deux sont bons, hein? Écoute, il y a deux choses enfin, c'est deux utilités différentes. La première, comme je t'ai dit, les popotes sont sous-financées. Et pour fonctionner, pour pouvoir continuer à offrir des repas sains, nutritifs, avec des aliments de qualité, puis continuer à opérer tout simplement, les popotes vont presque toutes chercher du don. Alors, c'est sûr que si vous connaissez la popote de votre secteur, vous pouvez contribuer de deux manières. La première, c'est d'être bénévole, donc de donner de votre temps. Et la seconde, c'est de les soutenir financièrement, parce qu'elles en ont besoin. Si vous décidez de faire un don au regroupement, ça retourne aux popotes. Ça retourne aux popotes en service, formation, accompagnement, visibilité pour les popotes roulantes. Voilà. En fait, le regroupement donne des formations au service de population. À quoi ressemble une formation? Ben, je te donne un exemple. Le mois dernier, on a travaillé avec la clinique de nutrition de l'Université de Montréal et nous avons offert une formation en nutrition sur la nutrition particulière des personnes avec profil gériatrique. Voilà. Donc, c'est un exemple. OK. Donc, vous allez vraiment pour développer des saines habitudes alimentaires. Je fais déjà. Oui, tu sais, on est en sécurité alimentaire. Alors pour nous, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir être au plus près de la santé des aînés, donc de pouvoir les maintenir en forme le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut développer des compétences qu'on apprend, hein, des compétences en nutrition, des compétences aussi, ça peut être des compétences en santé, sécurité alimentaire en général, ça peut être des compétences en gestion, tout ce qu'il faut pour faire tourner une organisation, hein, voilà. Et là, j'ai envie de vous demander comment va Sœur Angèle? Ah, alors, notre chère sœur Angèle, écoute, c'est un coup de cœur là. Vraiment. Elle nous a généreusement prêté sa voix et son image cette année. Elle est notre porte-parole pour la semaine québécoise des popotes roulantes. Sœur Angèle, écoute, elle le dit là dans le teaser, elle a 84 ans. Elle est extrêmement en forme, autant que nous, même plus, je te dirais, avec une énergie incroyable et un positivisme vraiment contagieux. Sœur Angèle va très bien, elle est encore à sa fondation et elle soutient des causes comme la nôtre. Voilà. Et pourquoi avoir
choisi ou demandé à Sarah Angèle d'être la porte-parole de la semaine des popotes roulantes. Puis ça déroule très bientôt, là. Oui, la semaine des popotes, c'est du 20 au 27 mars, donc c'est dans une semaine à peu près. On vous réserve d'ailleurs différentes surprises pour ça. Sœur Angèle, c'est un symbole, c'est une icône. Sœur Angèle, d'abord, si tu parles de cuisine, tu penses à Sœur Angèle. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je pense à Sœur Angèle. C'est quelqu'un qui a marqué... D'autres vont penser à Ricardo. Ah! On va penser à Ricardo pour l'année prochaine, peut-être. C'est complètement différent. C'est des styles, hein? Oui. Mais en tout cas, moi, je garde Sœur Angèle. Puis, écoute, c'est quelqu'un qui, d'abord, a des compétences en cuisine, qui sait de quoi elle parle, qui a voué sa vie, certes, à Dieu, mais aussi à la cuisine, et à soutenir les plus démunis. Alors, ça nous semblait vraiment correspondre tout à fait... à nos valeurs, puis à notre mission. Écoute, et puis elle a dit oui tout de suite, là, parce qu'elle aussi, elle a vu que c'était logique. Oui, ben, admettons qu'on compare Ricardo et Sœur Angèle. Bon, la comparaison est très facile. Les différences sont très faciles à voir. Mais... Et on s'entend que Sœur Angèle est plus près de représenter votre clientèle cible comparativement à Ricardo. Mais ce sont deux sommités dans le domaine de l'alimentation, effectivement, et des bonnes recettes. Et la semaine des popotes roulantes, pourquoi ça a été créé, ça? La semaine des popotes, comme toutes les semaines promotionnelles, c'est vraiment pour que le grand public nous connaisse, apprenne à nous connaître. Hein, les popotes roulantes les équipes des popotes roulantes sont tellement pris dans leur quotidien et sont tellement tout le temps en train de courir qu'ils ont très peu de temps pour parler d'eux. Et c'est pour ça qu'au regroupement, on tient à ce que la semaine des popotes soit une semaine pendant laquelle on va parler des popotes, on va parler des bénévoles, on va parler des équipes et on va parler de la clientèle. Parce que c'est important aussi de nommer que les personnes aînées ont beaucoup souffert ces deux dernières années et que grâce à des services communautaires comme les services de popote roulante, eh ben, un grand nombre d'entre elles sont encore là aussi. Hein? C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais dire, si j'ai un message à passer pour la semaine des popotes, c'est que les popotes ont sauvé des vies. Les popotes sauvent des vies. On est tous d'accord avec ça. Comment faire pour s'impliquer dans la semaine des popotes roulantes? On vous suit comment cette semaine-là? C'est très facile. Hein? Vous voulez vous impliquer pour la semaine des popotes? Et après, on verra comment s'impliquer pendant l'année. Mais pour la semaine des popotes, nous allez sur notre page Facebook. Nous avons des outils promotionnels. Surveillez bien. Dès lundi, une nouvelle vidéo de Sœur Angèle va apparaître où Sœur Angèle vous explique ce qu'est une popote roulante et s'adresse à vous. Également, on devrait avoir différentes publications dans les médias. Alors, allez sur notre page et puis repartagez. Ça, c'est une première façon de s'impliquer. Une deuxième façon de s'impliquer, allez voir la popote de votre secteur. Appelez-les, rendez-vous sur place, essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne et voyez comment vous pouvez contribuer. Est-ce que vous pouvez les soutenir dans la livraison des repas, dans la préparation des repas? J'aimerais souligner aussi que beaucoup de popotes offre d'autres services que la popote roulante, donc des services complémentaires de maintien à domicile. Là, je vais nommer les appels d'amitié, les visites d'amitié qui vont reprendre, j'espère, le transport, l'accompagnement médical, les accompagnements à l'épicerie, enfin, les activités de socialisation. Tout ça, c'est offert par les popotes roulantes aussi. Alors, si vous voulez vous impliquer et contribuer pendant la semaine et plus, allez voir la popote de votre secteur et demandez de quelle manière vous pouvez les soutenir.
Donc, c'est facile, hein? On est capable de faire ça pour tout le monde, Oui, réellement. On est capable, nous autres, de faire aussi, d'ailleurs. Est-ce que, je ne sais pas si moi, je devrais aller dans la propos de l'entreprise, est-ce que c'est relié à un organisme communautaire? Par exemple, en fait, les bien partants de cette maladie, est-ce que la propos est reliée à un organisme communautaire? OK. Les popotes roulantes, il y a trois gros modèles, mais en général, ce sont des organismes communautaires en tant que tels. D'accord? Donc, ce sont elles sont elles-mêmes. Quand je vous parle de popotes, je vous parle d'organismes. Donc, je vous parle d'organismes incorporés ou pas. Ça peut être juste des regroupements de bénévoles, mais ce sont des organismes. La majorité sont incorporés, et comme je vous disais, la majorité touche du financement du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, en général, c'est pas un service qui dépend d'autres choses. Vous avez aussi des popotes qui ne font que la livraison. Je vais nommer par exemple la popote de Sainte-Foy que je connais, puisque la coordonnatrice est notre vice-présidente au regroupement, la popote de Sainte-Foy fait la livraison seulement. Hein, elle travaille avec l'hôpital qui produit les repas et la popote offre le service de livraison, mais la popote est une entité en tant que telle. On a un auditeur qui nous a écrit, ça fait une minute, qui dit, j'avais pas compris, mais mes beaux-parents du service de popote roulante ici à Côte-Romaine. Donc, il y en a partout, là, mais t'as dit, toi, c'est à Oui, c'est plus profond. Je m'excuse, je vous entends vraiment très mal. Excusez-moi, madame. Mais ce que je peux dire pour compléter, par exemple, en Chaudière-Appalaches, nous, on a une douzaine de membres au regroupement, c'est-à-dire qu'il y a il y en a plus des organismes qui sont des popotes roulantes dans votre région, mais une 12 sont membres du regroupement. Pareil pour Capitale Nationale, on a une douzaine de popotes aussi qui couvrent le territoire. Donc, comme je vous dis, popote.org, c'est très facile. Vous allez sur le site, trouvez une popote et vous verrez la popote de votre secteur. Merci beaucoup, Mallory. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour jaser du recrutement des popotes roulantes du Québec et de la semaine des popotes roulantes qui se déroule du 20 au 27 mars. Merci d'avoir accepté mon invitation et je souhaite encore un bon gros 70 ans au recrutement. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, Je souhaite un bon Mallory. dimanche. Merci. Alors, il est déjà 11h31. Après la pause, ça sera Patrice Ouellette avec pourquoi se fixer des objectifs trimestriels et plus importants qu'annuels. On reste là, la belle gang. Non, non, vous avez le droit à une petite pause. Ça, en plus, on fait ça comme ça, tiens. Je vais revenir tout de suite après. La personne aurait caché. On a fait pour avoir les informations sur le bébé. Il y en a tant qu'il y a un peu mis tout ça. Il faut vous appeler ça mieux aussi, là. Bon, fait que toi, tu dis que tu dis qu'il n'entend pas ton micro. Est-ce qu'elle m'entendait pas très bien? Je ne vois pas comment je peux. On ne mettra pas de musique en arrière. Là. Oui, j'en avais mis. Oui, j'en avais mis. Comment on fait pour enlever le vent de fraîcheur pour pas de point A? C'est moi qui ai mis ça? On fait ça comment? Mais tu fais quoi pour... Il y a plus, 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 plus.
Ah, tu peux se rafficher, puis c'est ça qui affiche? Oui. Enfin, j'aurais pu faire ça avec le commentaire de mes trucs. Oui. Je ne savais pas comment faire. Mais là, j'ai envie de le voir, c'est pas tout. Sur Facebook, là. Tout le monde voit ça, là. Thank you.
Et comme ça, Patrice, est-ce que tu nous entends? Oui, le son est sourd un peu, là. J'ai de la difficulté un peu, mais je vous entends, là. Bon, OK. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais là, ça fonctionne. Donc, c'est merveilleux. J'ai pu penser, croire que c'était parce que dans la première entrevue, j'avais mis notre fameuse femme de fond de MégaF. Et là, je ne l'ai pas mis, mais on me dit que ça n'avait pas nécessairement le problème. Mais bref, on va faire avec ce matin. C'est comme ça. L'important, c'est de livrer une émission de radio. Si vous ne nous entendez pas bien sur les réseaux sociaux, je vous invite à vous connecter via Internet ou www.fm.ca et vous pouvez sur en direct et vous allez nous entendre. Et l'autre option, c'est de télécharger l'application CJMD. Ça fonctionne tellement bien. Moi, je l'écoute même quand je suis habillée. Donc, c'est certain que ça va marcher pour vous aussi, mes gars. Mais bonjour, Patrice. On va faire une petite bulle. Bonjour Manon, j'espère. Écoute, mon volume est au bout, puis j'espère pouvoir vous entendre comme il faut. Bien, c'est très, très sourd de mon côté, hein, quand vous parlez. Okay. Bien, l'important, c'est que Patrice nous livre son contenu. Aujourd'hui, Patrice va nous parler de pourquoi se fixer des objectifs trimestriels est plus important qu'annuels. Ah, là, ça vient de changer. C'est super bon le son, là. Génial. Il ne faut plus que je bouge. Donc, l'important, on va lâcher le son. On ne met pas le focus sur ce qui ne fonctionne pas, ma belle gang. On y va avec la chronique à Patrice. Le temps file, il est déjà 11h40. Donc, pourquoi, Patrice, c'est plus important de se fixer des objectifs trimestriels plutôt qu'annuels? Je te demande une bonne question, Manon, parce que, tu sais, en plus, c'est qu'on arrive bientôt. On est 13 mars aujourd'hui. On arrive à la fin du premier trimestre déjà. Mais pour faire peut-être une petite mise en scène, Manon, oui. Admettons que je vous annonce à tous les deux aujourd'hui, je vous dirais, et ça serait le fun, Manon puis Audrey-Anne, qu'à l'automne, on animerait un vent de fraîcheur en direct de Las Vegas. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Wow! Mais honnêtement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que Patrice, tu es en train de me voler un punch, là? Ça ne sera pas Las Vegas, mais il y a d'autres choses sur la planche à dessin. Audrey-Anne, toi, en entendant ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bon, moi, ça a été « T'es-tu malade? » Ben, tu sais, chacun a ses réactions. Hein, quand on lance une idée comme ça, ou un souhait, ou quelque chose qui est un peu, disons-le, un peu farfelu, hein, on est tous un peu, notre imagination se met en marche rapidement. Ben, admettons que je vous dis, Manon, Audrey-Anne, j'ai trouvé un commanditaire, j'ai le budget, les billets d'avion sont réservés et un vent de fraîcheur en avril va être à Las Vegas en direct du Bellagio. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? On part en avril. Je fais ma valise. Audrey-Anne? Moi, je suis comme plus dans... Ben là, t'as peu, là. Faut que je trouve quelqu'un pour s'occuper de mes enfants, mon chien, mes deux chats. Il y a comme plein de choses là, qui me viennent à l'esprit avant. Mais t'as dit Bellagio, puis là, moi, mon petit côté humour a eu envie de dire, comme dans la chanson. Comme la Casa del Papel, là. Oh, Bellagio, Bellagio. On dirait que... Oui, oui, oui. Il y a comme eu deux idées en deux temps dans ma tête. Hein, c'est que... Ce que je veux faire ressortir, Manon, c'est que plus nos objectifs sont loin dans le temps. Exemple, je suis début de l'année, puis je me dis, bon, cette année 2022, j'aimerais ça peut-être faire plus attention à ma santé. Hein, c'est comme si ce que je suis en train de dire, c'est cette année, donc je me projette à long terme, j'aimerais ça faire attention, prendre plus soin de ma santé. Plus nos objectifs sont loin dans le temps, plus ils vont stimuler le rêve, notre imagination. Plus les objectifs sont proches dans le temps, plus ils vont favoriser l'action. Quand je vous ai dit que ce serait le fun d'aller à Vegas animer un vent de fraîcheur à l'automne, bah, c'est drôle, petit comique, hey, ça serait le fun, ce serait drôle. Il y a peut-être quelques idées qui nous viennent d'une vue aérienne de Vegas, l'espèce de tour Eiffel qu'on voit, c'est notre imagination travaille. Mais quand je vous dis qu'on part au mois d'avril, soudainement, Audrey-Anne, qu'est-ce qu'elle nous dit? T'as un petit peu, là, tu me dis que les billets sont réservés, t'as un peu, là... Là, il faut que je parle à mon chum. Là, les enfants, on fait quoi? Le chien, le travail, hein, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire?
là, on n'est plus dans le rêve, là. Là, on est dans du concret. Un petit peu là, tu me dis que c'est réservé, je suis devant un fait accompli. Je m'organise comment? C'est quoi les obstacles? Qu'est-ce que j'ai à préparer? Faut que je m'achète de la crème à bronzer. J'ai-tu assez de vêtements? Là, on peut y aller là, dans le plan de match. Là. Hein, c'est qu'il y a énormément de pouvoir. On se redonne énormément de pouvoir quand on compresse dans le temps ses objectifs. C'est pour ça, Manon, dans mon académie, je dis souvent aux gens, qu'est-ce que tu aimerais? Si, mettons, on fait un exercice ensemble. Si on regarde d'ici à la fin de l'année, y a-t-il quelque chose, si on regarde dans les 6 sphères, mettons la santé, les finances, la carrière, les relations, le style de vie ou le développement personnel, y en a-tu 2 de ces sphères-là sur lesquelles vous aimeriez peut-être d'ici à la fin de l'année mettre l'accent? Si on prend juste ça comme ça, Audrey-Anne, tu répondrais quoi? Peux-tu juste répéter ta question, s'il vous plaît? Santé, ouais. Relations, finances, carrière, développement personnel, style de vie. Si tu aurais à prendre 2 sphères dans lesquelles tu dirais d'ici à la fin de l'année, j'aimerais ça mettre l'accent là-dessus, tu prendrais quoi? J'aurais pris santé puis travail. OK. Toi, Manon, tu irais vers où? Moi, je cherche toujours à amplifier mes relations interpersonnelles. Donc, c'est certain que les relations sont là. Et le deuxième, finance-carrière, je les mets un peu ensemble. OK, OK. Puis si, mettons, on prend cette thématique-là que vous avez identifiée, mettons, deux grands axes pour d'ici à la fin de l'année, j'aimerais ça mettre l'accent là-dessus, puis que je vous dirais, pourquoi qu'on ne se ferait pas un plan pour commencer le mois d'avril en force, puis l'objectif que vous avez en tête ou ce que vous voulez améliorer, à la fin juin, on l'a atteint. Avril, mai, juin. Hein, c'est un trimestre, c'est le deuxième trimestre de l'année. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis ça? Si vous auriez à faire un plan, y aurait-il un objectif plus précis à la fin juin? C'est aussi, fin juin, il ne faut pas l'oublier, c'est la date très souvent avant le début des vraies vacances d'été. Hein, juillet, août, c'est des mois plus festifs, des mois plus familiales, de plaisir. Donc, d'ici à la fin juin, du 1er avril à la fin juin, ça ressemblerait à quoi prendre soin de sa santé? Ça ressemblerait à quoi concrètement, dans ton cas, Manon, mettons, amplifier ses relations? Bien, je trouve que c'est plus motivant de le faire de même que de dire, OK, pendant 12 mois, je dois rester motivé à faire exactement ça. Moi, dans mon cas, c'est un échec. Là. C'est sûr que si tu me dis pendant 12 mois, Adrienne, il faut que tu fasses ça. Je vais le faire les 3 premiers mois, puis après, hein, on s'entorche. Là, je ne fais plus. Fini. C'est ce que tu dis là, Adrienne, c'est tellement vrai. Hein. C'est dur dans la société d'aujourd'hui de rester concentré. L'autre chose qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, et c'est vraiment amplifié depuis 2 ans, on vit dans un monde qui change tellement, tellement, tellement vite. Je me rappelle, Manon, quand on a fait l'émission en janvier, jamais j'aurais pensé, puis je suis sûr que les auditeurs, qu'il y aurait eu une guerre sur la planète cette année, jamais, certainement jamais, que j'aurais pensé que pratiquement toutes les conditions sanitaires seraient tombées. En janvier, on était dedans, puis on se disait, pour moi, ça va être demain, master, on va vivre comme ça. C'est comme si on pouvait pas s'imaginer. Donc, si on se fait un plan d'un an, c'est loin un an, il peut s'en passer des choses, on peut dérailler de notre plan, on peut perdre le focus. C'est pour ça que le plan 90 jours, pour moi, dans ce que j'enseigne, Manon, je dis toujours, une année, c'est 4 années. Et une année, si tu considères qu'une année pour toi, à partir d'aujourd'hui, c'est un trimestre, soudainement, tes plans vont être beaucoup plus précis. Tes objectifs vont être beaucoup plus... Ils vont avoir du texte, des mots sur tes objectifs qui vont te mettre dans l'action. Alors que plus tu envoies ça loin dans le temps, si on parlerait, exemple, aujourd'hui, tu te vois où, toi, Adrienne, dans 10 ans? Dans 5 ans? C'est pas trop engageant, ça. Ça nous pousse un peu. On parle un peu de ce qu'on aimerait, nos intentions, ce qu'on aimerait avoir.
Mais dans le concret, demain matin, il n'y a rien qui va changer dans métro, boulot, dodo. Ça va être le jour de la marmotte encore. Puis en même temps, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes, je te dirais, mais aussi qui nous amènent à nous dépasser. Si je te donne un exemple, avec l'agenda de la chouette là, que j'ai acheté là, par l'entremise de Manon, là, il avait présenté à la radio, je m'étais fixé un objectif annuel. Puis finalement, en un mois et demi, j'ai rempli cet objectif-là. Fait que, tu sais, là, il faut se poser la question, est-ce que je me faisais confiance suffisamment quand j'ai mis ce chiffre-là sur ce papier-là? Et la réponse est non. La réponse est non. Donc, c'est ça. T'as raison, Audrey-Anne, puis en même temps, je dis toujours aux gens, t'es mieux de réussir, t'es mieux de partir plus petit et progresser que mettre ça aussi trop haut, parce que ce qui est difficile, qu'est-ce qui est réaliste puis qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est difficile. Quand on y pense vraiment, c'est difficile de nuancer cette zone grise-là. Fait que c'est toujours mieux, je trouve, puis je vois les gens progresser beaucoup plus facilement quand ta prochaine étape, ta prochaine marche est plus facile à monter que lorsque l'objectif est loin. Si tu l'as fait un mois et demi, parfait. Est-ce que tu vas aller à un autre niveau ou on s'en va sur d'autres choses, j'ai un autre objectif qui est plus important, mais tu en as un qui est fait, tu viens de gagner en confiance, tu viens de te rendre compte, Caroline, je suis capable de peut-être plus que ça. Donc là, tu bâtis sur du momentum, tu bâtis sur ta confiance. Oui. Fait que tu as raison, mais en même temps, je dis toujours, à l'intérieur de 90 jours, l'avantage du trimestre, Manon, c'est qu'il est suffisamment loin pour risquer de mettre la barre assez haute, mais en même temps, il est suffisamment proche pour m'obliger à dire, OK, je fais quoi la semaine prochaine? Parce que 90 jours, 3 mois, c'est quand même pas si loin que ça. Quand on y pense, mettons qu'on on planifie déjà aujourd'hui, on pense un peu stratégiquement, un peu, bon, le trimestre 2, là. Mettons que mon trimestre 2 qui commence le 1er avril, avril, mai, juin, je dis que c'est mon année. Sur quoi je pourrais focusser? Est-ce qu'il y a 3 choses sur lesquelles je pourrais focusser? Et moi, je dis toujours aux gens, il y a 2 piliers que tu ne peux pas passer à côté. Ta santé, tes relations. Parce que si tes 2 piliers-là, qui sont des essentiels, des fondamentaux, tu les négliges trop longtemps, ça va te rattraper. Puis tout ce que tu as comme objectif financier ou dans ta carrière, à un moment donné, tu vas frapper un mur. Et c'est là qu'il faut bien calibrer ces choses. Donc, de toujours garder à l'esprit que peu importe l'échéancier que j'ai, que ce soit un an, que ce soit un trimestre, un mois, une semaine ou une journée, il faut que la sphère relation et santé soit présente constamment, que ça devienne des habitudes de vie et non plus des objectifs. Donc, le trimestre, c'est pour ça qu'il est tellement fort. Et quand on regarde aussi, Manon, si on essaye de séparer les trimestres dans une année, là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des beaux cycles dans les trimestres. Le début de l'année, un peu comme aux 100 mètres, les sprinteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des blocs. C'est la première partie du sprint, on sort des blocs. Premier trimestre de l'année, on sort des blocs. Souvent, on est boosté, c'est la nouvelle année, on est plein de bonnes intentions. Et pour plusieurs personnes, et rapidement, on perd ça de vue. Ah oui, clairement. Le deuxième trimestre, la game se joue là. Toutes les études qu'il y a sur la performance, les pays de l'OCDE, c'est ce moment-là où les entreprises vont aller chercher leur pic. Pourquoi? Parce qu'on s'est réchauffé dans le premier trimestre. Et le deuxième trimestre, comme je le disais tout à l'heure, sa grande force, c'est qu'il nous conduit au début des vacances. Alors, on sait qu'on va se reposer. On sait qu'on a du beau temps qui s'en vient. On sait qu'on a le soleil et on n'est pas encore tout à fait dedans. C'est le printemps, c'est les bourgeons, c'est la nature qui se réveille. Donc, c'est un trimestre qui, naturellement, va favoriser l'émergence de notre énergie. Donc, avril, mai, juin, là, celui-là, ce trimestre-là, manquez-les pas. Soyez clairs, créez de la clarté. C'est quoi vos 3 objectifs qui doivent absolument progresser à partir du 1er avril? Pensez-y tout de suite. Commencez à l'identifier. Peut-être que vous voulez sortir santé, relations, je ne veux pas le mettre dans mon top 3, je veux mettre d'autres choses.
parce que santé, relation, je veux rendre ça comme des habitudes de vie. Donc, j'ai quelque chose quand même de précis là-dessus, mais je ne le mets pas dans mes trois objectifs. J'ai peut-être quelque chose au niveau de mes finances, j'ai peut-être quelque chose au niveau de ma carrière, peut-être une formation que ça fait 2 ans que je veux finir, puis je la laisse toujours traîner un peu, puis je me dis dans le deuxième trimestre, sais-tu quoi, quand les vacances 1er juillet vont arriver, là, puis qu'on va vraiment être dans le cœur de l'été, là, bien, voici ce que je vais avoir terminé une fois pour toutes. Voici ce que je vais avoir atteint. Tu sais, c'est tellement, tellement puissant, ça. Parce que le troisième trimestre, vous le voyez venir. On se repose. C'est juillet, août, septembre. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises en juillet, août? Vacances. C'est mollo. Il y a toujours du monde en vacances. Il y a moins de meetings. Il y en a beaucoup de gens qui se disent, ah, moi, je prends mes vacances en septembre. Juillet, août, c'est tranquille au travail. On ne se fait jamais déranger. Il manque toujours de monde. Hein, quelque part, c'est ça. Mois de juillet, août, c'est pas là qu'on va aller chercher notre pic. Puis après ça, on arrive où? Bien, ça nous amène au quatrième trimestre. Puis le quatrième trimestre, il se passe quoi? Il se passe 3 choses. Ou bien tu vas creuser pour te rendre à la fin de l'année, ou bien tu vas te dire, Christy, je ne sais pas dans quel état je vais arriver, tu t'en vas par en bas. Et il y en a très peu qui ont bâti leur année pour finir en force. Si je reviens à l'analogie, Manon, du 100 mètres, André Degrasse, qui est un Canadien, qui est étiqueté comme parmi les 3 meilleurs sur la planète au 100 mètres, André Degrasse est reconnu dans la sphère du 100 mètres, si on peut dire, comme étant le plus fort finisseur. Hein, lui, sa force, c'est pas quand il décolle, qu'il sort des blocs. Lui, c'est le dernier à peu près 30 mètres. Et là, on voit, c'est comme si tout le monde recule. Le monde ne recule pas, c'est que lui, il accélère plus vite que tout le monde à la fin. Lui, il trouve une autre vitesse. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui finissent leur année comme ça. Quand on arrive en décembre, on a toute la langue à terre et on se demande tous, on se dit tous, c'est que j'ai hâte aux vacances pour que cette année-là soit derrière moi. Ça, c'est pas finir en force. Donc, le deuxième trimestre qui s'en vient, Manon, faut pas le manquer. Qu'est-ce qui est clair pour vous? Si c'est pas clair, vous avez 2 semaines pour le préparer, là. On est à la mi-mars. Il nous reste 2 semaines pour dire quels vont être mes objectifs. Et quels vont être mes objectifs, je le dis au pluriel, là, mais il ne peut pas en avoir plus que 3. Plus que 3, vous allez probablement vous planter. Vous allez tomber. Moins de 3, peut-être que vous n'exploitez pas suffisamment tout votre potentiel. Mais c'est possible. Je vois des gens, Manon, qui se disent, moi, j'en prends juste un. J'en prends un. Mais ce que j'avais prévu faire pour le 31 décembre, enough is enough, je le fais dans mon deuxième trimestre. Moi, je vais arriver au 30 juin et aller m'acheter une belle bouteille de champagne pour fêter telle chose particulière. C'est ça que je fais. Moi, j'aimerais ça qu'on parle d'objectifs dans le sens que qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que tu sais, on dit 3 mois, 3 objectifs. C'est quoi un objectif réalisable pour rentrer dans ton deadline de 3 mois, tu sais? La plus belle réponse à ça, Audrey-Anne, c'est que si je te demande, avec ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire dans ton prochain 3 mois qui serait quand même un bon challenge, puis que tu te dirais, ouais, c'est une grosse commande, tu mettrais quoi? Je le sais pas. On dirait que j'aurais besoin de temps pour y réfléchir. OK. Tu as 2 semaines. Mais ce que je veux dire... Merci. Ce que je veux dire par là, Audrey-Anne, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est que si tu décides... Si mettons que tu te trompes, mettons que tu prends de quoi, puis tu t'es mis à bord trop haut, sais-tu quoi? Tu vas être bien plus avancé que si tu aurais laissé ça au 31 décembre. Il ne faut pas focusser trop sur l'atteinte de l'objectif. Il faut focusser sur sa transformation dans l'atteinte de l'objectif. Donc, si je tombe en amour avec le processus, exemple, je ne sais pas, moi, je veux courir, j'aimerais ça, admettons que le 1er janvier, je me dirais, j'aimerais ça cette année courir un demi-marathon. Un demi-marathon, ça fait quand même 3-4 ans, je n'ai pas couru 21 kilomètres. Ouais, je pense que je vais m'essayer. Puis, tu n'as pas fait grand-chose.
Fait que là, il te reste un trimestre. Est-ce que c'est toujours réaliste, dans le prochain 3 mois, de penser que tu pourrais courir un demi-marathon, exemple, en juillet, puis tu as 3 mois? Mettons que tu prends ça, tu dis, garde, sais-tu quoi? Je m'essaye. Si tu oses penser de t'essayer, c'est probablement qu'il y a une petite flamme en dedans de toi. Il y a quelque chose qui te dit, tu vas avoir la motivation, tu vas avoir ta réponse vite. Parce que peut-être qu'après une semaine, tu vas déjà avoir des gros problèmes de genoux puis de dos. Tu vas être obligé de reporter. Oups, tu vas arrêter 2 semaines, tu vas te rendre compte, sais-tu quoi? J'ai recommencé, ça va vraiment bien, ça va même mieux que je pensais. Et soudainement, tu réactives ton rêve. Mais si tu n'as rien fait, puis tu ne planifies pas ton deuxième trimestre, c'est sûr que tu ne le feras pas ton demi-marathon à l'été. C'est pas sûr, c'est bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est trop ambitieux, puis qu'est-ce qui ne l'est pas assez? Moi, ma réponse à ça, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que ce que tu vas choisir, parce que tu ne choisiras pas beaucoup de choses, ça va t'obliger à te bâtir un plan. Hein? Un objectif ou un rêve sans plan, c'est rien d'autre qu'un souhait. Mais plus tu compresses le temps, plus tu te mets à penser, OK, comme tout à l'heure quand tu m'as répondu, OK, la gardienne, les enfants, le chum, tu penses en plan. Mais en même temps, je suis zéro plan dans la vie. Moi, je suis tellement toujours dans « est-ce que ça va être le fun? Okay. » que, genre, quand on commence à dire « OK, Audran, il faut que tu te fasses un plan précis, détaillé », je suis comme « ça me tente pas. » Tu sais, je suis comme « c'est plat. » On va s'arrêter là-dessus, mais c'était très, très, très intéressant. On pourrait pousser ça beaucoup plus loin, hein, Patrice. Vraiment? On a vraiment du jus à matin. Et, oui, oui. Il y a, je ne sais pas si tu as vu, j'ai brièvement affiché le commentaire de Luc qui dit que moi, je mettrais relation et ça aiderait à ma santé. Ah. Et là-dessus, Patrice, je pense que tu vas être d'accord avec moi que quand on travaille une sphère, en parallèle, on travaille aussi nos autres sphères. Ah, hein? Clairement. Tellement. Ça a tellement. Un impact. Fait que j'aimais beaucoup le commentaire de Luc. Merci beaucoup, Patrice. Écoute, j'aurais eu tellement d'affaires à ajouter, moi aussi, mais là, il est midi. Il faut laisser place à une nouvelle collaboratrice qui porte le même nom de famille que toi. Et je n'ai pas pensé de vous demander si vous vous connaissiez. Elle s'appelle Annie Ouellette. Elle est accompagnante à l'être humain. OK. Donc, elle donne plus dans... elle est doula, elle est... comment qu'on appelle ça? Herboriste. Elle est plus dans ce domaine-là. Là. Je pense qu'elle va nous préparer des petites recettes de tisane puis des affaires comme ça aussi. Oh, ça va être bon. Aujourd'hui, elle va nous parler des dépressions saisonnières, de comment faire pour s'en sortir. Je vais vous la présenter avant, puis tout de suite après, elle va nous parler de ça. Donc, restez là, ma belle gang. Merci, Patrice. Écoute, moi, je vais devoir décider si je vais me mettre au vélo plus compétitif. Tu m'as fait penser à la discussion que j'ai eue avec mon chum hier soir, qui, lui, fait du vélo, mais il en fait comme beaucoup. Là. Tu sais, il y a un vélo qui a les pieds éclipses dedans. Là. Moi, j'ai un vélo plus genre, mettons, Canadian Tire. Fait que la marche est grande. Oui. Fait qu'il faut que je vois, est-ce que j'intègre ça dans ma vie ou pas? Quelle place que je vais accorder à ça? Tu m'as inspiré ce matin, Patrice. Merci infiniment. Je suis persuadée que tu as inspiré nos auditeurs également. Pour ceux qui veulent en savoir plus, suivez Patrice sur ses réseaux sociaux. Hein, la méthode 48 heures, c'est du bonbon, gang. Puis, Manon, juste pour terminer, notre prochain sujet, ça va être 5 stratégies pour éviter de procrastiner. Oui, c'est vrai. Audrey-Anne a la hâte de l'entendre, celui-là. Ça aurait été son choix pour ce matin. Je procrastine jamais. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on n'a pas choisi mon choix? On n'a pas le temps d'en parler. La radio de Lévis. Talk, rock and hip-hop. Une station pas pour les doux. The Funky Station. La station du Mont-Fleur. 96.9. Provan. Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, on a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, Colissois à 20. 88-831-7011. Vive Provan. Barbie's Resto Bar Grill. Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbie's. Réservé dans l'un de nos 3 restos, le Bourgneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, 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 oh,
Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking! On a vu. Castor, Mélile, Pied-de-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Là? Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand t'as pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Ouais! Quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintemps. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barrures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de portes et changement des thermos embués. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis, visitez notre boutique en ligne, vitrerieglobale.ca. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace Lounge, voiturier, restaurant réputé. Il Mato. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783. ClôtureTerrien.com. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Man, qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine. Ou ça. Ou même de ça. Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous. Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Deck Beauce-Saint-Isidore et Deck Beauport débutent sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix. Meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à deckhockeyquebec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Beauce. deckhockeyquebec.com. Go, go, go! Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Ôtez-vous de là! Ôtez-vous de là! On est de retour. Il est présentement midi 6. Audrey-Anne, je ne suis pas capable d'enlever le visuel. Ah, ben oui! Merci, Audrey-Anne. Audrey-Anne, on est en onde! Je suis là! T'es-tu sûre? Oui, je suis là! Maintenant, là! Le 30 secondes, je ne l'étais pas. Et là, je suis là. J'ai dit à Audrey-Anne que nos pauses étaient un peu plus longues. Hey, c'est-tu... Mais c'est le fun à quelque part. Là. Mais il faut que tu me ramènes à l'ordre. Parce que là, moi, j'étais partie dans mon plaisir, dans ma tête. Moi, je vais m'acheter un fouet, je pense. Non, c'est ça. Bonne idée. Bonne idée. Alors, mais on est fous comme ça. Hein. Puis, en même temps, oui, la vie peut paraître compliquée, mais c'est tellement simple. Là. Et pourquoi s'enfarger des fleurs du tapis, là? C'est ça la blague que je vais m'acheter un fouet, là. Jamais que je fouetterai quelqu'un de même, là. Mais c'est juste drôle. C'est drôle. C'est... Oui, 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 gardons. T'as du plaisir. Parfaitement, imparfait. Mais là, tu vois, Annie, tu vois ce que tu manques en studio, là, ma belle? Je le sais, c'est à cause de la température. Sinon, je suis avec toi. Ah, je te taquine. Non, mais tous nos invités étaient par les internets aujourd'hui. Donc, on a que moi et Audrey-Anne en studio pour gérer toute la patente. Puis malgré le fait qu'on est deux, on réussit à s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis, imagine. Il n'y a pas de fleurs sur notre tapis en passant. Non, il est plutôt gris. Allô, Annie, très heureuse de te recevoir à l'émission Vente fraîcheur. Tu es officiellement une nouvelle chroniqueuse.
et que j'ai rencontré virtuellement grâce à Ézéchiel Blais. Oui, parce qu'elle avait fait des belles photos de toi. Et j'ai vu ça passer sur mon fil d'actualité Facebook. Et je cherchais à remplacer une herboriste qu'on avait déjà à l'émission qui venait de temps en temps, qui nous parlait beaucoup de nature, qui est Marie-Noëlle Gagnon, pour la nommer. Les auditeurs vont se rappeler. Elle nous a parlé beaucoup des baleines et de la préservation des animaux. Donc, je voulais avoir encore quelqu'un qui nous parlerait de la nature. Et quand j'ai vu tes photos, j'ai eu un coup de cœur, vraiment. Il faut dire qu'Ézéchiel avait eu un coup de cœur elle-même, je pense, avec toi. Donc, écoute, avant qu'on commence, Annie, oui, maintenant tu te dis accompagnante à l'être humain, mais t'es qui, toi, Annie Ouellet? Ben, vous, tu veux que je commence? Dans l'ordre ou dans le désordre, pige ça dans le chapeau du magicien, ça n'a pas d'importance. Dans le fond, je suis accompagnante à la naissance, doula. Doula. C'est quoi une doula? Ah oui, moi, je sais c'est quoi une doula. Il y en a peut-être qui ne savent pas. Dans le fond, j'accompagne les mamans dans leur grossesse, à l'accouchement. Je fais aussi de l'aide au relève. Dans le fond, je les accompagne aussi après l'accouchement pour leur donner un coup de main avec leurs autres enfants parce que souvent, ils ont plus qu'un enfant. Après ça, je fais de l'aide l'accompagnement en allaitement aussi. Je les accompagne souvent moi-même à avoir allaité seulement ma fille. J'ai eu des problèmes avec l'allaitement. Fait que c'est fun de pouvoir compter sur quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Bien, voyons, donc ça, ça peut pas avoir des problèmes avec l'allaitement. C'est quoi? Non, c'est facile, tu fais juste plugger le bébé là, puis ça marche tout le temps, tout court, hein? Ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vit pas dans le même monde, hein? Ouais, c'est ça. J'en ai allaité quatre, fait que je sais très bien que ça marche pas tout le temps comme ça. Non, vraiment pas. Moi, j'étais sec comme un raisin sec, comme que je disais à ma sage-femme, fait que... Il n'y avait rien à faire. Je fais partie du même équipe que toi. Résistique. Mon premier enfant, ça m'a pris une tétrelle, moi. Ah, j'ai eu ça aussi. Oui, ouais. Parce que ça a l'air que ça ne marchait pas. Pourtant. Mais en tout cas, c'est un autre dossier. Allez, tu vas voir. Là, tu es en train de te ramasser plein de sujets d'émission, mine de rien. Là, hein? C'est correct. Mais, fait que là, on voit que tu gravites beaucoup autour des mamans. Ah, des mamans, mais aussi parce que dans le fond, je connaissais pas vraiment le côté plus maternel, mais je suis aussi apicultrice. J'ai une passion infinie pour les abeilles et tous les produits de la ruche. Ensuite, je suis herboriste clinicienne. J'adore les plantes, la nature, les champignons, les arbres, la gémothérapie, tout ce qui est dans le fond les petits bourgeons de plantes et d'arbres qui m'intéressent également. Aromathérapeute, les huiles essentielles, ça ressemble pas mal à ça, je pense, tout ce que je fais. J'en oublie peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Tu m'as déjà dit que tu étais née dans le bois, j'ai trouvé ça bien drôle. Oui, oui, je suis née dans le bois. Si je veux la paix, je veux me ressourcer, je vais dans le bois, je suis pas capable de me perdre en forêt. J'ai essayé souvent, puis ça n'a jamais fonctionné. OK, c'est parce que ta forêt, elle mesure 300 par 400, c'est tout? Non. Tu peux mettre en plein milieu d'une forêt d'un million pieds carrés, je vais me retrouver sans problème. Donc là, est-ce qu'on doit comprendre que tu as été tout ça depuis ta naissance? Non, je dirais depuis les 10 dernières années. OK. Avant, tu étais quoi? Si on voulait te mettre une étiquette, là? Une étiquette, j'ai été infirmière auxiliaire. OK. OK. Revirement de carrière quand même. Ben oui et non, parce que c'est en santé. Tout ça quand c'est autour de la santé, mais tu aurais comme lâché... Mais avec une vision naturelle, beaucoup plus que... Ben, où tu étais infirmière auxiliaire? J'ai travaillé en soins palliatifs. OK. Fait que j'ai accompagné beaucoup dans la mort, donc j'ai décidé de revirer de bord et de travailler dans la naissance. Dans la vie. Ah oui. OK. J'ai toujours fait avec les personnes âgées aussi. Je les adore. C'est mon petit côté d'ADA. Et à ce moment-là, quand tu étais infirmière auxiliaire, est-ce que tu étais à ton compte ou tu travaillais pour quelqu'un? Pour des agences. OK, pour des agences, oui. Hey, j'ai déjà connu ça, travailler pour des agences. C'est un autre domaine, ça aussi. On pourra en parler à une autre émission. On est un peu loin de la nature, par contre, quand on est là. C'est un autre domaine, mais c'est un beau domaine pour ceux qui ont la... Parce que là, tu nous parles tout de travail humain, hein? Oui. Il faut l'avoir en dedans de nous, ça, hein, Audrey-Anne? Hein? Oui, vraiment. Sujet d'aujourd'hui,
Oh, ça peut être un sujet qui vous paraît très, très lourd, mais en même temps, on va tenter de vous l'amener de façon légère, puis vraiment de vous emmener, encore une fois, différentes solutions pour contrer les dépressions saisonnières. Comment tu veux nous amener ça? Est-ce que les gens savent ce que c'est une dépression saisonnière? Moi, je pense que oui, mais peut-être que non. Il y en a plusieurs qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. T'sais, ils ne comprennent pas, t'sais, comme là, l'hiver, là, les journées raccourcissent, on manque de soleil. Puis souvent, c'est ce qui nous amène à déprimer, à ne pas vouloir le sortir dehors parce que là, il fait froid. Fait qu'on ressent dedans, on s'encabane, on fait de moins de bonheur. Fait qu'on perd le goût d'aller à l'extérieur parce qu'on se dit les journées sont plates, les journées sont très, très, ben, vraiment courtes. Puis surtout, c'est le froid qui nous empêche d'aller dehors. Souvent. Mmh. Mais moi, en tout cas, c'est ça, là, le froid. Ou quand ton auto ressemble à une igloo, là. Ouais, comme la mienne ce matin, que, alors qu'on a un igloo. OK. Mais la dépression saisonnière versus la dépression majeure, est-ce que tu es capable de nous faire quelques distinctions? Dépression majeure, honnêtement, pour en avoir fait une, c'est souvent mené, causé par le surmenage de « on travaille trop ». Saisonnière, dans le fond, ça peut être aussi occasionné parce qu'on travaille trop. C'est l'hiver, il fait pas beau, donc on va travailler. Moi, c'est ce qui a été ma cause aussi. Tu sais, j'ai surtout de la difficulté avec la dépression majeure parce que souvent, dépression saisonnière, le médecin va dire, tu fais une dépression majeure, Annie, tu n'es pas nécessairement une dépression saisonnière. Parce que tu profites pas assez. Là, c'est souvent, c'est juste le soleil. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Ma dépression saisonnière, c'est le manque de soleil. Le manque de soleil. Et quels sont... Il y a longtemps que tu as vécu ça, toi, ces dépressions-là? Non, c'est l'année passée parce que j'ai trop travaillé durant l'hiver à cause du COVID. Merci, COVID. OK. Donc, ça s'est installé de façon sournoise. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience et de tes trucs à toi? Comment tu as fait pour te sortir de tout ça? Moi, j'ai découvert le millepertuis, que j'appelle ma plante soleil, parce que c'est son nom qu'on lui donne en bon québécois. C'est quand tu travailles trop, tu dis « Ah, ben Colin, je suis capable de travailler, je vais prendre un café. Je vais prendre Red Bull. Red Bull, ça donne de l'énergie. » Mais en réalité, c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. C'est, tu sais, je peux juste parler du millepertuis, là. C'est une dose de soleil qu'on va se donner. Parce que c'est vraiment la plante, la meilleure plante antidépressive qu'il y a pas. T'sais, tu peux la prendre soit en tisane, en teinture mère, puis c'est beaucoup moins dommageable pour la santé qu'un antidépresseur. OK. Et là, admettons qu'on a des auditeurs, là, qui prennent déjà des antidépresseurs prescrits par un médecin. Est-ce qu'ils peuvent partir à la course, aller dans une pharmacie XYZ et s'acheter du millepertuis pour se faire une tisane ou acheter des capsules de millepertuis puis avaler tout ça avec ce qu'ils prennent déjà? Non, pas avec le millepertuis, mais il y a d'autres plantes qu'on peut prendre en association avec l'antidépresseur qui ne nuira pas aux effets de l'antidépresseur. Parce que le millepertuis en tant que tel, c'en est un antidépresseur, mais naturel. On ne peut pas le combiner avec un antidépresseur prescrit par le médecin. OK, donc il y a des contre-indications, si on peut dire. Là. Ah qu'est-ce oui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à consommer ces genres de produits-là? Du tout, le millepertuis n'en a aucun. Sauf que les femmes qui prennent des contraceptifs oraux ne peuvent pas prendre de millepertuis parce que ça va contrer l'effet des anticontraceptifs. Ben oui, moi je vais faire... Tu vas aller faire quoi, toi, là? Là, elle dit, attendez un peu, là, c'est trop d'informations. Millepertuis. Oui. Oui. Tout en un mot. Tout en un mot. M-I-L-L-E-P-E-R-T-U-I-S. Hey, merci. Yes, madame. Merci. T'as un petit peu, là. OK. Fait que ça, c'est bon, si je comprends bien, pour qu'on soit de bonne humeur. Fait que moi, plutôt, Audrey, ouais. Si on prend ça, je ne sais pas de quoi on va avoir l'air. Vous allez péter le feu, mais sont photosensibilisants. Il ne faut pas aller au soleil avec après, par exemple. C'est compliqué, là. Oui, oui. Est-ce qu'on prend ça quand on va bien? Tu peux en prendre si tu vas bien. OK. Tu peux. Parce que dans le fond, c'est pas bon juste nécessairement pour les dépressions. Ça peut être aussi bon pour la peau. Mais il ne faut pas aller au soleil avec. Tu t'en mets sur la peau, sur le visage. Tu peux à fois attendre une heure ou deux avant de s'exposer au soleil. Okay. Parce que tu peux attraper vraiment un coup de soleil.
OK. Bon, t'es-tu retrouvé avec ton mille pertuis? Là, j'ai cherché comment l'écrire pour ne pas le débaptiser. Là. C'est pour ça que j'étais confuse. Fait que là, je suis allée copier-coller le nom, puis je l'ai mis là. Fait que c'est ça que je voulais faire. Audrey-Anne est géniale. Elle nous l'a même écrit sur le live. Wow! C'est ça l'objectif de ma question. C'est donc bien génial. On retient que le millepertuis okay, a plein de propriétés. Si on consomme déjà des antidépresseurs prescrits par le médecin, et à ne pas ajouter le millepertuis. Mais si vous voulez changer puis essayer le millepertuis pour X raison ou Y, moi, je vous dirais, parlez donc avec Annie. Oui, assurez-vous de parler avec un professionnel. Là. Ouais. Ouais, surtout un médecin, parce qu'on ne peut pas arrêter les antidépresseurs comme ça du jour au lendemain. Il faut y aller vraiment graduellement. Oui, puis il y a des médecins qui vont de plus en plus aussi pour des médecines alternatives. Puis on peut faire, en travaillant avec une personne comme toi et la médecine traditionnelle, que je vais appeler, c'est possible aussi. Là. Oui. OK. Donc, on a un premier truc, le millepertuis. Quoi d'autre? Pour souvent dans les dépressions, on ne dort pas assez. Okay. Moi, je vais conseiller de la valériane. Tisane de valériane avec de l'aubépine. L'aubépine, c'est le petit fruit rouge qui pousse sur un arbre, qui sont toujours là l'hiver, qu'on dit « Ah, oh, là, c'était pour les oiseaux, c'est la nourriture pour les oiseaux. » Mais non, on peut en prendre aussi, pas nécessairement toutes, mais on peut en prendre aussi puis l'infuser avec de la valériane qui est super bon. Okay. Ça peut réduire l'anxiété. Puis tu peux l'associer aussi avec le passiflore. Ça, c'est ma tisane à moi, là. Tisane de valériane, aubépine et passiflore, un mélange des trois que je fais. Puis ça réduit l'anxiété, la nervosité, ça l'aide au sommeil. C'est super bon. Ça calme les nerfs. Est-ce qu'on boit ça avant d'aller au lit? Oui. Okay. Ça peut être n'importe quand durant la journée. Ça va vraiment... Surtout, moi, je le conseille surtout avant une heure ou deux avant d'aller dormir. Puis ça va vraiment avoir un effet relaxant. OK. Avant d'aller faire dodo, une heure ou deux, ça te relaxe. Ouais. Mais là, si tu es en train de boire ta tisane qui est supposée te relaxer, mais qu'en même temps, je ne sais pas, moi, tu fais de quoi de bien, bien énervé, là? Tu es en train de danser le disco, je ne sais pas, moi. C'est comme un mix bizarre. Tu sais, je me fais une tisane pour me relaxer, mais je me mets de la musique disco pour danser. Oui, mais ça se peut-tu que le monde fasse ça, des fois, des affaires bizarres? Moi, je dis ça de même, là, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je viens de dire. Mais est-ce que ça n'aura pas le même effet, hein? Non, ça n'aura pas le même effet. Ça n'aura pas l'effet relaxant, dans le fond. Je vais peut-être plus le conseiller dans un bon bain chaud, prendre ta bonne tisane ou devant un livre. Un peu comme... Okay. Un peu comme Patrice Ouellet nous a déjà parlé dans sa routine du dodo, là. Tu sais, sa routine du soir, hein? Prendre, déconnecter des réseaux sociaux, déconnecter de nos téléphones, déconnecter de la télévision. Non, fermer la télévision, ça va être correct. Tassez-vous de tout ça. Prenez un moment pour vous autres. Ça va vous relaxer. Puis en ajoutant une belle tisane comme ça, la tisane va avoir un meilleur effet, j'ai envie de dire. Oui, on va avoir vraiment l'effet qu'on veut aller rechercher. Là. OK. Donc, de se faire une espèce de petit rituel. Moi, je ne sais pas là, si vous avez fait ça, les filles, vous avez toutes les deux des enfants comme moi. Aviez-vous des genres, des rituels comme ça que vous faites auprès des enfants aussi? Moi? Le rituel du dodo, là? Ben moi, c'est toujours le bain chaud, l'histoire et le dodo. Alors, pourquoi qu'on ne le fait pas pour nous si on le fait pour nos enfants? On ne prend pas le temps. C'est fou, hein, comment on se perd. Puis pourtant, c'est des habitudes qu'on crée à nos enfants. Dès la naissance, moi, dès qu'ils sont venus au monde, j'avais des petites routines. On était encore à l'hôpital et je les habillais dans la journée pour qu'ils comprennent que c'était le jour, que c'était pas la nuit et tout ça. Pourquoi qu'on part ces petites habitudes-là? Hein? Pense à ça, gang. Est-ce que tu avais un autre truc, Annie? Non, ben c'est à peu près ceux-là. Les autres trucs, ce sera pour une autre chronique parce que c'est pour les huiles essentielles, de la luminothérapie parce qu'on manque de soleil. Donc... Aujourd'hui, de la luminothérapie, on en a dehors. Il y a un beau gros soleil. Ça compense? Oui, ça compense. Le soleil est là pour aller déneiger le char qui ressemble à un igloo. Mais il y a aussi la pensée magique qu'il fait tellement soleil que la neige va fondre tout seul. Mais il annonce ça cette semaine, là, hein, des chaleurs un petit peu. Là, fait que tu pourrais juste pas sortir. Mais attendre que le soleil fasse son œuvre. Qu'est-ce que tu dis, Annie?
Ou je pourrais attendre que la neige fonde ou attendre que mon chum se tente de le voir puis qu'il le vienne avec lui-même. Ou on pourrait se faire une tisane de mille pertuis, aller s'asseoir au soleil dehors toute la journée puis attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Oui, mais faut pas s'asseoir au soleil avec le mille pertuis, donc il faudrait s'asseoir à l'ombre et le regarder déneiger. Ah, ben oui, j'avais manqué cette information-là. Oh, oui, mais le pire, c'est que j'allais dire, ouais, mais on peut le prendre en capsule, le mille pertuis, puis se faire une tisane de valériane, aubépine, passiflore, puis aller faire une séance de luminothérapie au soleil en regardant la neige soit fondre ou en regardant le chum déneiger. Mais le mille pertuis, c'est pas de soleil. Je vais me l'écrire en gros sur ma feuille. Pas de soleil quand tu prends du mille pertuis. Celle-là, je la savais pas. Mais moi, je suis pas herboriste, là. Moi, j'ai des connaissances générales. Ouais, mais moi, j'avais hâte de reparler avec toi parce que tu as parlé de champignons tantôt, là, puis moi, c'est une passion que je me suis découverte l'année passée. J'ai assez hâte qu'on en reparle. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de champignons, plus qu'on pense, qui sont médicinales. OK. Ah oui, c'est sûr. Là, j'allais dire que j'étais bonne en connaissance générale jusqu'à temps que ma co-animatrice parle de champignons, là. Mais je ne sais pas si vous l'avez écouté, le quiz « L'enfer est pavé de bonnes questions », là, ça en est des connaissances générales. Puis sérieusement, quand j'écoute ça, des fois, je me trouve plus poche que bonne. L'année passée, je suis devenue la folle aux champignons. Là. J'allais dans le bois, puis j'amenais mon enfant avec moi, mes deux enfants. Puis là, on partait là, pendant une heure ou deux. Puis... Voyez-vous comme on a une bonne communication, Audrey-Anne et moi, en ce moment? Elle veut parler de champignons. Moi, je voulais parler du quiz qu'il y a à 17h à CJM. Oui, mais moi, c'est parce que tu as parlé de connaissances générales. Ça m'attire moyen. À pas de plaisir. Voyez-vous? Mais c'est comme ça, gang. Examinez-vous dans votre quotidien. Là. Ce qu'on vient de vivre là, le moment de radio qu'on vient de vivre avec vous autres, là, c'est épique. Et c'est tellement représentatif de ce qui se vit dans nos maisons à chaque mot juste. Mais on est d'accord sur une chose. Là. On va aller s'acheter de la tisane de valériane puis on va consommer 10 000 pertuis en capsule. Ça va nous aider. Ah ouais? On va consommer. Attends un peu. Là. Tu me trouves anxieuse? OK, ferme le micro. Moi, Audrey-Anne me passe des messages comme ça un matin, là. Non, mais on va avoir une discussion. C'est de la zénitude. C'est de la zénitude. Mais hey, on trouve ça, si on veut se les faire nous-mêmes, là, la valériane, l'aubépine, du passiflore, on n'a pas ça dans, en tout cas, moi, je n'ai pas ça dans mes plantes vertes chez nous, là. Dans mon jardin. Non, je n'ai pas ça. Viens dans mon jardin, j'en ai. Ouais, mais tu n'as pas de la neige chez toi présentement? Oui. Tu as ça quand même? Ben, j'en ai dans des pots que j'ai fait sécher chez moi. Okay. Puis là, est-ce que tu revends ça à des clients comme moi, comme Audrey-Anne, qui a besoin pour son anxiété, elle aussi, je prends ma revanche? Ah ouais? Oui, j'en ai, mais... Pour l'instant, pas énormément, parce que je faisais des tests l'année passée. Mais cette année, je vais l'avoir à plus grande échelle, puis je vais en mettre sur ma page Facebook plein de tisanes. Je me suis encore rééquipée de nouvelles plantes cette année aussi pour réagrandir ma culture. Parlant de page Facebook, j'aimerais ça. C'est déjà fait, simplement, Annie. Tu vois, on se complète. J'avais oublié de te la donner, c'est pour ça que je l'ai fait. Chère Audrey-Anne. Annie, je pense qu'on va avoir du fun et j'ai hâte que tu viennes nous voir à la station parce que physiquement, tu es dans une région où je n'avais pas de co-animateur dans cette région-là. Tu es dans quelle région déjà? Saint-Lazare. Ouais, dans Bellechasse. Oh! Oui, fait qu'on va chercher une nouvelle région en plus à Vente-Fraîcheur. Donc, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Et Annie, j'ai déjà hâte à la prochaine chronique. Mais je vais aller vous voir en studio. Oui, sûrement que la température va nous le permettre et que l'environnement... Puis en même temps, tout est parfait, Annie. Hein? J'espère que tu t'es remise de ta première émission, des petits papillons que ça pouvait peut-être te faire. Est-ce que tu avais pris une tisane quelconque pour calmer ton anxiété, ta nervosité ce matin? Non, j'avais pris 3 cafés. Elle dit moi, j'ai tout fait pour me booster. Merci beaucoup, Annie. On se retrouve le mois prochain avec une belle chronique. Je pense qu'Annie va nous emmener une fraîcheur différente. Après la pause,
Après la pause. Ah oui, hey, c'est Bryce Camgain qui vient nous parler de comment stimuler la créativité des équipes. En tout cas, je compte sur Bryce pour m'aider avec mon équipe Vente fraîcheur. Là. Honnêtement, là, j'ai besoin d'aide. Attends. Sexualité. Non! Juste pas pour les doux. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barrures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de portes et changement des thermos embués. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis, visitez notre boutique en ligne. vitrerieglobale.ca. GestionBloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles, que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Portneuf ou La Beauce. GestionBloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. GestionBloc.com. Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos. GestionBloc.com. La référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com. Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en Chaudière-Appalaches par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leurs familles méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAQ. Un message du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Le printemps arrive bientôt et la baleine endiablée a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Frankie Selector, Commande de bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleineendiablée.com. Baleineendiablée.com. EnviroGym, J-I-M, distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en Hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, EnviroGym est également dépositaire des broyeurs Amel et des concasseurs Rockster. Consultez leur Facebook EnviroGym, J-I-M, ou leur site web EnviroGym.com pour plus d'infos. Snacktown, away par là. Snacktown, prépare ton trip bouffe. Snacktown, à côté de la SQDC, sur Président Kennedy. Il est là ton trip bouffe. Plus c'est la bonne. Snacktown, away par là. Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chêne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783. ClôtureTerrien.com. Southside Radio. De l'attitude, du brassage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le talk à CGMD, incomparable. Salut tout le monde, c'est B.I.S. de Tactica. Restez branchés à l'alternative radiophonique, la seule radio qui joue autant de hip-hop. Ah ben, gardons ça. La maîtresse du micro a mis deux ID de CGMD. C'est pas grave, hein? On en veut plus de ceci et de cela. Hey, écoute, on reçoit, devinez qui? Si vous étiez là avant la pause, vous le savez. Oups! J'ai pesé sur le piton, Audrey-Anne a pesé sur le piton, fait que je pense qu'on fait flasher Bryce, là, présentement. Flash des lumières. Hey, Bryce, on est tellement heureuse de te retrouver ce matin. Cet après-midi, parce qu'il est midi 30. 3. Allô? Bon, je suis,
tellement heureux d'être là. Vous allez remarquer que ma voix n'est pas au top, mais je remercie Dieu parce que j'ai passé une semaine assez difficile avec ma voix, mais là, ça va de mieux en mieux. Je me suis dit, je ne vais pas annuler, je vais venir avec ma voix telle qu'elle est, en toute authenticité. Et après, elle me dit si vous avez à m'écouter, à me suivre ou pas. Sinon, ce serait dommage. Oh! Hey, ça me rappelle des souvenirs tristes de janvier, ouais. Moi, là. Ouais. Est-ce que tu as complètement perdu la voix, Price? Complètement. C'est à partir d'hier que j'ai commencé à la retrouver un peu. Et ce matin, ça va bêtement mieux. Comment tu vis le rejet qui accompagne tout ça? C'est de ne pas pouvoir parler. Ma voix, c'est mon principal instrument de travail. Et des enfants à la maison, et puis on me dit, écoute, il faut peu, faut pas parler. Mais c'est difficile d'essayer de ne pas parler quand des enfants à la maison qui sautent à la droite, il faut leur dire, écoutez, asseyez-vous, faites ci, faites ça. C'était pas évident, mais là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, on a pu gérer. Je ne sais pas si tu as pu écouter l'émission juste avant toi, il y a une heure à peu près. On a parlé avec Patrice Ouellet. Et là, Patrice, il nous a semé des graines. Là, ça a l'air qu'on aurait des billets d'avion tout payés, puis que là, on irait faire une émission Vente fraîcheur à Las Vegas. OK? Magnifique! Et là, je me suis dit, ça tombe du bien parce que là, on reçoit Bryce aujourd'hui puis il va nous dire comment stimuler la créativité des équipes. Puis honnêtement, là, j'en ai besoin, même pour vendre fraîcheur. Là. Écoute, tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé entre moi et Audrey-Anne le matin? Là. Écoute, on a besoin d'aide. Là, on veut multiplier nos folies. On veut être encore plus créatif, mais pas juste moi et Audrey-Anne. Parce que l'équipe de vente fraîcheur, là, c'est 12 chroniqueurs à chaque mois, oui. Mis à part toutes les autres personnes que l'on reçoit, comme les OSBL, par exemple, ou comme des invités spéciaux. Donc, ça en fait du monde. Là. Et ça, c'est sans compter ce qu'on ne voit pas en arrière de tout ça. Là, hein? Guillaume Dionne, qui nous fait de la technique incroyable, tout le conseil d'administration de CJMD, notre directeur, Chico, bref, il y a du monde. Là, comment on fait, là? Comment on fait pour stimuler tout ça puis amener l'émission Vente fraîcheur à un niveau supérieur? Ça va. Je ne sais pas si je suis dans la thématique de ta chronique d'aujourd'hui, Bryce, là, mais c'est ça que ça m'a interpellée ce matin au fil de l'émission. Fait, comment tu peux nous amener en bateau jusqu'à Las Vegas? Magnifique. Écoute, ce que tu dis là, Manon, c'est quelque chose de. C'est tellement en lien avec effectivement la thématique que je vais partager avec aujourd'hui et les autres auditeurs dans le cadre de ma chronique. En tant que. Quand on est leader, quand on est à la tête d'une équipe, quand on est à la tête d'une émission, bref, à chaque fois où on a l'opportunité de collaborer avec des gens autour de nous, on a besoin que chacun apporte sa touche génie. On a besoin que chacun puisse libérer ce qu'il a de plus créatif en lui pour apporter justement sa petite contribution, sa pierre à construire de l'édifice. Sauf que, quelquefois, l'erreur que nous faisons, et dis-nous, je suis vraiment inclus parce que je remets en cause assez souvent quand je collabore avec gens, que ce soit dans les projets ou dans le cadre de mon entreprise, eh bien, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à faire beaucoup de suggestions aux personnes avec qui on travaille. On fait des suggestions par rapport à comment est-ce qu'ils devraient pouvoir contribuer à ce travail. On leur fait des suggestions sur comment est-ce qu'ils devraient pouvoir fonctionner pour que le travail soit bien fait. Et ça fait que quelquefois, deux choses se passent. La première, c'est que on va inhiber le côté créatif de la personne avec qui on échange, la personne avec qui on collabore. Et le deuxième élément, c'est que naturellement, l'être humain a tendance à être réfractaire quand on a une direction sur un emprunt. On aime bien ça c'est une autonomie. On aime bien sentir que voilà, c'est nous qui décidons de
de la direction qu'on prend, de la condition qu'on a, on apporte. D'ailleurs, pour faire une petite digression, on a vu ce qui s'était passé avec ces deux dernières années, tout le fait imposer ci, d'imposer ça, etc. J'ai un document la dernière, l'autre jour, qui parlait du fait que l'attitude gouvernementale était plutôt punitive. Et ça, c'est parfois l'attitude, on peut tout savoir, hein, c'est pas juste le gouvernement, mais tout ça peut arriver. Comment on fait? Comment est-ce qu'on arrive à créer un environnement où les gens libèrent leur créativité et ont de l'impact sur le projet ou l'entreprise dans laquelle on est? Comment ça arrive à ça? Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, on suit ma chronique une fois par mois, vous savez que je parle de storytelling. Storytelling, c'est la communication narrative. Le storytelling, c'est raconter une histoire pour influencer la façon de penser de l'autre, sans essayer de convaincre la personne. Parce que convaincre, selon moi, et je dis selon moi, c'est apporter des arguments démonstratifs et à la fin, la personne se sent comme écrasée sous le poids de la démonstration qui a été faite. Elle accepte de prendre la direction parce qu'on lui montrait. Alors que quand on influence la personne, à la fin, la personne décide d'elle-même et a l'impression qu'elle n'a pas été forcée. On ne l'a pas tordu là et elle le fait avec joie. Pourquoi le story entre en œuvre, raconte la bonne histoire. Je vais vous raconter l'histoire de l'un de mes patrons à l'époque. Mes patrons, oui, c'est mon tout premier patron d'ailleurs. Quand j'ai commencé le travail pour la première fois quand j'entrais dans le monde professionnel, j'avais recruté par un monsieur qui était venu m'écouter pendant les soutenances de fin d'études. Au niveau, ça s'appelle la licence dans le système français. Ici, on parle de baccalauréat. Donc, quand j'ai fini ça, il fallait soutenir des travaux de recherche appliquée à la concrétude du marché sur le terrain. Et donc, quand on fait ce genre de présentation, à la fin, il y a des recruteurs qui arrivent pour voir qui sont les meilleurs et tout. Et il m'a écouté et j'ai eu la chance d'être retenu. Il a sélectionné une seule personne et qu'il a retenu. Donc, ça, mon premier job, mon premier travail. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a marqué. D'ailleurs, je donne son nom, Ismaïlou Kamsoulou. Il m'a marqué par sa façon de me stimuler. Il me dit toujours, Brice, je t'ai recruté parce que tu es capable d'apporter une valeur ajoutée. Je ne t'ai pas recruté pour te dire quoi faire. Je t'ai recruté pour que tu m'aides à mieux faire ce que je fais déjà. Pour que tu aides l'entreprise à mieux faire ce qui est déjà fait. Et là, à chaque fois, il me disait, sache que nous, on va être la première entreprise de transport terrestre. Parce que c'est une entreprise qui fait du transport terrestre avec des camions et des livraisons de marchandises pour partir du port de Douala au Cameroun pour livrer ce qu'on appelle l'Interland, la République centrafricaine et Tchad, deux pays limites du Cameroun. Il y a toujours Brice, on va se positionner comme numéro un sur ce marché, on sera numéro un sur ce marché et tu vas apporter ta contribution et tu vas apporter ta contribution. Et ça m'a amené à développer finalement un outil qui nous permettait d'optimiser la performance. Le conducteur, mieux traquer les mises à jour et la maintenance des camions. Évidemment, ça a eu un impact assez positif sur l'entreprise et on a été propulsé quasiment à la tête. On n'était pas numéro un, pas d'autres entreprises multinationales qui nous challengeaient, mais on a été très, très propulsé sur le marché. On a pris une très bonne position. Cette histoire m'a permis de comprendre que dans la vie, quand on collabore avec les gens, il vaut mieux leur vendre le produit final, l'idéal qu'on va atteindre, la beauté qu'on va atteindre l'objectif, de projeter les gens dans l'avenir pour qu'ils voient à quoi va ressembler l'avenir de l'entreprise, du projet et le propre avenir si on atteint les objectifs, sans que nous n'ayons besoin de leur dire quoi faire. Une très belle citation de 5 Exupéry, je vais vous citer.
qui résume ce que je viens de vous présenter. Antoine dit, si tu veux construire un bateau, ah, le bateau, Emmanuel est à Vegas, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, ou pour leur dire où trouver chaque chose, comment faire. Non, non, ne fais pas ça. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de ces hommes et des femmes le désir de mère. Fais naître dans le cœur de ces hommes et ces femmes le désir de la mère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils ont ce désir profond à eux? Ils vont trouver des solutions pour construire le bateau et prendre la mer. Parce que le désir de la mer est plus fort que tout. Dans notre entreprise, dans nos projets, donnons le désir aux personnes qui nous accompagnent, les personnes avec qui on collabore, et bien d'atteindre un idéal. Vendons cet idéal. Qu'ils voient et qu'ils expérimentent à quoi ressembler leur futur une fois que cet idéal sera atteint. Et qu'est-ce que vont faire ces gens? Ils vont trouver les solutions créatives pour atteindre cet idéal. C'était ça la chronique de ce matin. Wow! Il y a des beaux parallèles à faire avec ce que Patrice Ouellet nous a parlé tout à l'heure. Hein? Oui. Parce que Patrice a commencé sa chronique en nous demandant si on allait faire un voyage cet automne, toute la gang ensemble. Donc, tu nous amènes à nous projeter Bryce, dans ce qu'on veut réaliser, notre idéal à atteindre, nos objectifs, mais en même temps, au quotidien, ou comme Patrice le disait, dans un objectif trimestriel, de faire des actions. Et d'y aller par le biais du voyage, toi, tu y vas en bateau. Je ne sais pas si on peut aller en bateau à Los Angeles, à Las Vegas plutôt, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est parabole qui est derrière ça qui nous parle. Oui, oui. C'est très puissant. Hein. C'était très puissant parce qu'on dit que quand l'être humain veut atteindre un objectif, mais il va se trouver les moyens nécessaires pour arriver là où il veut arriver. Tu sais, si tu veux partir de Québec pour Montréal, mais tu vas prendre voiture, tu vas mettre du carburant, tu vas démarrer, tu vas te trouver les moyens pour arriver à Montréal. Montréal, c'est ta destination. Et donc maintenant, tu te dis, OK, comment je peux arriver à cette destination-là? Et c'est parce que la destination est assez claire. Parce que ce que tu vas faire dans cette destination-là résonne fortement en toi. Souvenons-nous de la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que fais naître le désir, mais ton désir d'aller à Montréal, ton désir de venir me rendre visite ici dans l'Outaouais, peut être tellement fort que tu vas prendre ta voiture, malgré le prix du carburant qui a augmenté, tu vas quand même dire, ah, moi j'ai envie d'arriver là-bas et de voir Brice, mais je vais mettre du carburant dans ma voiture, je vais démarrer, je vais devoir rouler 4 heures de temps et aller le voir. C'est ça la magie de cette histoire. Oui, puis tu as tout à fait raison. Il y en a qui vont voir toutes les embûches qu'il y a, justement, le prix de l'essence et tout, puis qui vont s'empêcher de faire au final. Et c'est OK aussi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, hey, go, moi, je fonce. Puis quand il n'y aura plus d'argent, ben, il n'y en aura plus. Hein? Exact. Exact. Et justement, la notion d'obstacle, là, on prend tout son sens. Parce que quand on commence à dire aux gens quoi faire, comme naturellement, l'être humain veut avoir la liberté, mais il va trouver des obstacles à toutes les solutions que tu vas lui proposer. Parce que son désir de l'objet final n'a pas été nourri, n'a pas été développé. Ay, j'aime ça. Ça te parle, toi, Audrey-Anne, ou pas? Oui, vraiment. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, quand j'ai préparé les réseaux sociaux pour notre émission, la phrase qui me venait, c'était « Découvre comment améliorer ta vie en moins de 2 heures. Mm-hmm. » D'après toi, Audrey-Anne, est-ce qu'on a atteint cet objectif-là? Oui. Bravo. Moi, ce que je retiens, c'est 1. As-tu la motivation? 2. As-tu des objectifs concrets réalisables en dedans de 3 mois? En dedans de 6 mois?
en dedans de 9 mois, en dedans de 12 mois. Si tu arrives à faire ça, c'est-à-dire avoir la motivation puis de fixer tes objectifs puis de les atteindre, parce que tu vas les atteindre si tu as la motivation de le faire, ben tu as tout pour être heureux dans la vie. Yeah. Yeah. Ce qui m'impressionne aussi, c'est le fait qu'on ne se soit pas préparé avant là-dessus, mais les différents thèmes sont comme alignés. Ça veut dire que vous faites un travail... C'est puissant, ça, Manon, rien. Sérieusement, Bryce, là, je voudrais faire des émissions qui se suivent puis qu'il y a des liens entre mes chroniqueurs. Probablement que j'y arriverais même pas. Wow. Mais honnêtement, là, je l'ai tout le temps dit, la vie, les énergies, l'univers, appelez ça comme vous voulez, c'est une gang de complotistes. L'émission à la mode, on du complot là pour nous aligner dans la même direction. Mais c'est fou, hein? Et oui, puis même en début d'émission, là, c'était les papotes roulantes, là. Mm-hmm. Ben, on a parlé de santé avec Patrice, on a parlé de santé avec Annie. Il y a tout. C'est pas vrai qu'on est toutes seules dans notre petit coin puis qu'on a juste notre petit nombril. Hein? Mm-hmm. On est toutes interreliées puis dans notre boule, là, tu sais. Ça fait tout bouger, là. On réinvente rien. Mais par contre, à l'émission Vente fraîcheur, notre promesse envers nos auditeurs, c'est de les aider à améliorer leur vie dans toutes les sphères. Et honnêtement, je pense qu'on y arrive. Et l'émission d'aujourd'hui en est encore une belle preuve. En moins de 2 heures, on a apporté plein de trucs très concrets pour que vous amélioriez votre vie. D'autres qui vous laissent matière à réfléchir aussi, un peu comme Bryce et un peu comme Patrice. Mais, wow! Vraiment. Quelle belle émission! Merci, Patrice. Oui, merci, Patrice. Merci, Malorie. Merci, Annie. Merci à toi, Bryce, d'être là également et d'insuffler tout ce vent-là dans les voiles de ton voilier. Merci à Audrey-Anne également d'être avec moi presque semaine après semaine parce qu'on ne se casse pas le bessic ici, là, avant de fraîcheur. Hein? Audrey-Anne, elle a des enfants. S'il y a trop de choses sur sa planche à dessin, elle a le droit, comme la semaine passée, de me dire « Manon, là, ça me ferait du bien. » C'est pas juste des tisanes d'un fois. Hein? Des fois, ça prend des actions concrètes également. Et ça va avec ce que tu nous apportes, Bryce, qui est de stimuler, de faire naître le désir de foncer, de se laisser porter par la vague en même temps. Là. Ouais. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois? Oui, avec un grand plaisir. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vous serai en studio là-bas avec vous autres. Ben, je le souhaite énormément. Et dommage que tu sois plus proche, pas plus près de moi physiquement. Je te passerai mon restant de petites pastilles au miel. Ça a été bon pour ma gorge. À bientôt, Bryce. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Oh, wow. Quelle belle fin d'émission qu'on a hein, quand même, Audrey-Anne. Oui. As-tu un petit mot de la fin? Tourlou? Non, c'est vrai. OK, je m'attendais à ce que tu... Je m'attendais à autre chose, Audrey-Anne. Oui, je le sais. Ouais. J'ai voulu mettre un petit peu d'humour. On va aller prendre soin de notre anxiété, toi puis moi. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que c'est une bonne idée. Bon, on va dédramatiser la patente, là. Oui. Personnellement, moi, niveau anxiété, il est très, 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 très faible. Probablement même, voire inexistant. Par contre, est-ce que je vis du stress? Oui, comme monsieur et madame tout le monde. Oh oui. Là, il y a du bon stress, du mauvais stress. Yeah. Hein? Oui, puis tout est dans la manière de le gérer aussi. Hein? Oui, tout à fait. Fait que là, toi, j'ai-tu besoin de t'envoyer voir le docteur pour ton anxiété? m'a pensé. Non, non. Inquiétez-vous pas pour nous, les auditeurs. Peut-être que vous avez eu l'impression aujourd'hui qu'Adrienne et moi, on se tirait la pipe. Mais je pense que vous avez aimé ça, honnêtement. Puis si vous avez aimé ça, écrivez-le nous. C'est possible de vous donner plus de ceci et de cela. Ça dépend de ce que vous autres, vous nous demandez. En fait, on le fait, mais on le fait... Je veux dire, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On n'est pas obligé d'avoir la même position, surtout dans la vie.
Eh bien, c'est ce qui est recommandé, d'ailleurs. Et voilà. C'est ce qui fait la force de mon équipe Vente fraîcheur. Exactement. C'est qu'on n'est pas tous pareils. Mm-hmm. On est différents. On a notre propre couleur, notre propre énergie. Et c'est mm-hmm. ce qui fait que c'est wow à chaque semaine aussi. Mm-hmm. Là. Merci à tous d'être là. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs qui nous écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à télécharger les podcasts, à nous écrire vos commentaires, vos besoins. On aime ça, être en contact avec vous autres. Moi, je vous retrouve à 15h dans le bingo. Les appels des gagnants, je vous attends. Bye! Bye. Bonne semaine! Magnifique semaine! Et sale!